Coucou tout le monde, un petit coucou pour vous faire juste la présentation de ma petite maisonnette que je vous avais dit la semaine dernière que je ferai sur la même base que la petite maison calendrier de l'avant, hein, comme ça. Voilà celle que j'avais fait. Et en fait, je voulais refaire la même chose mais sans les petites boîtes. Et c'est ce que j'ai fait donc pour pouvoir mettre des bonbons dedans ou autre, hein, ce qu'on veut après. Voilà, donc je vais vous présenter cette petite maisonnette de Noël. Alors j'avais fait le tuto de toute la maison et en fait, mon... Oui, j'ai été dérangée, je m'excuse. Donc voilà, je vais vous la présenter. Et comme je vous le disais, j'avais fait donc tout le tuto qui était assez long, il fait 30-35 minutes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai plein de morceaux de mon tuto qui ne se sont pas enregistrés. Donc en fait, ma vidéo, bah, elle est foutue, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, elle est fichue. Donc il faut que je recommence tout. Et comme ma petite maison, ben, elle est finie, je vais vous la présenter. Et dans la semaine, mardi ou mercredi, je vous posterai le tuto. Alors, j'ai sur les 5 de mes abonnés qui avaient participé à mon concours, j'ai bien reçu vos mails. C'est super gentil. J'ai vraiment eu l'impression que ça vous a bien, bien fait plaisir. Donc, je suis contente. Et j'ai encore Véronique et Sylvie. J'espère que vous avez reçu votre enveloppe parce que je n'ai pas de nouvelles. Donc j'espère que ça n'a pas été perdu parce que ça serait embêtant. Et donc si vous avez reçu vos enveloppes, si vous avez une petite minute, envoyez-moi un petit mail juste pour me dire que vous avez bien reçu votre enveloppe. Parce que Cathy, Annick et Yasmina ont reçu l'enveloppe mardi, toutes les trois, le même jour. Voilà, donc j'espère que vous avez reçu vos enveloppes et qu'il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir donc à ma petite maison. Donc voilà, ça je vais l'enlever. Hop. Et voilà. Alors, là c'est juste une petite plaque de feutrine quand je la poserai, ma petite maison, dans la maison avec la déco de Noël. Hein. Voilà, là, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais bon, je trouvais que c'était joli. Alors voilà, donc j'ai fait ma petite maison, donc de la même façon que l'autre. Hein. Sauf que, donc c'est les mêmes dimensions, c'est la même technique. Sauf que, ben, évidemment, j'ai pas fait les petites boîtes à l'intérieur. Je l'ai faite vide. J'ai fait un fond, comme ça. Là, je vais le décorer. Hein. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de tout à fait finir. Donc, je vais remettre du papier, un joli papier dessous, comme ça. Voilà. Et j'ai fait des petites fenêtres. Voilà. Donc, j'ai fait des petites fenêtres. Et j'ai, dans mes affaires, j'ai trouvé ces petits grillages comme ça, là. Je trouvais ça super joli. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais faire des petites fenêtres. Et je les ai mises comme ça. Voilà. Des deux côtés. J'ai fait une porte. Donc, j'ai collé des petits sujets comme ça. Voilà, j'ai commandé ça sur Amazon. C'est des petits sujets. Ça, je pense que ça doit être des fèves pour la galette des rois. Voilà. Mais bon, je trouvais ça mignon. Il y avait plein de petites choses dedans, de Noël. Je trouvais ça rigolo. Donc, j'ai fait une petite porte que j'ai collée avec de la mousse 3D, du croquet, mes petites pailles. Et voilà. Comme ça. Et tout l'intérieur, bien évidemment, est aussi décoré. J'ai même fait le tour des fenêtres. Je les ai décorées aussi pour pas, parce qu'il y avait du rouge en fait, donc c'était pas joli. Donc j'ai fait des petites bandelettes et je les ai collées dessus. Comme ça, tout est propre, net, nickel dedans. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre ma petite lampe. Je vous montrerai après. Et j'ai fait mon toit. Voilà. Alors là, je suis trop contente de ce toit.
Je le trouve vraiment très très joli par rapport à l'autre. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez de celui-ci. Il est joli aussi, mais je trouve que ça fait un peu brouillon, ces petites neiges-là, comme ça, là. Ça me plaît pas trop, du coup. D'ailleurs, je pense que je vais le refaire. Donc, en réfléchissant à ce que j'allais faire comme décoration pour le toit, en fait, j'ai acheté une plaque de papier blanc pailleté. C'est du 30-30, je les achète chez Dalb. Et j'ai fait le toit. Donc, on a plus l'impression que c'est de la neige et ça fait un petit peu plus propre, je trouve. Voilà. Donc, j'ai fait ces petites bandes-là, comme ça. Donc, j'ai pris une petite bandelette de papier de chute, de papier blanc pailleté. J'ai collé ces petites branches comme ça. J'ai plein de petites branches comme ça, là. Et on peut les mettre une par une. Comme ça. Donc, je les ai collées à la colle chaude, comme ceci, sur cette bande de papier. Et ensuite, j'ai mis la mousse. Ça met la mousse, le liquide gonflant là. D'ailleurs, j'en ai plus. C'est bien embêtant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et j'ai collé ma petite bande avec la forme de la neige. Donc, ça fait comme des petits glaçons en fait autour de la maison. Donc, j'ai recollé des petits sujets et j'ai mis plein de petites demi-perles, comme si ça fait un peu des petits bonbons. Hein. Voilà, des gros, des petits. Voilà, et sur le côté de la maison, donc j'ai acheté sur Amazon ces petites couronnes de Noël. Dans un paquet, il y en avait deux, ça coûtait 7 euros. Voilà, donc j'ai commandé ça, je l'ai collé. De l'autre côté, j'ai mis un petit sujet, petite maison. Et voilà, et donc on peut reposer la petite maison, elle est faite. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir mettre des papillotes ou autre. Et ça, je vais la coller à l'intérieur, comme ça, hop, voilà, hop, comme ça, et comme ça, avec les petites fenêtres, là, on voit, ça clignote à l'intérieur, je vais éteindre ma lumière, on va voir si ça, oui, vous voyez, ça clignote, dans la petite maison, je trouve ça super joli, vraiment, j'adore cette petite maison. Je la préfère à l'autre. Bon, ben, l'autre, c'était la première, hein, donc c'était pas évident, même en suivant des tutos. Mais bon, on ne veut pas faire toujours pareil que les autres. Hein, on essaye de changer quand même. Et je trouve finalement qu'elle n'est pas si bien réussie que celle-ci. Enfin, vous me direz un petit peu dans les commentaires. Mais franchement, celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. Je l'aime beaucoup. Voilà, l'autre aussi, hein, parce que c'est du travail, hein, etc. Mais celle-là, je trouve qu'elle est super. Et alors, les papiers que j'ai utilisés, c'est les papiers For You. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté sur Craftelier. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc voilà, donc j'ai utilisé celui-là et un petit peu de celui-là. Toujours les papiers For You. Voilà. J'ai utilisé ces deux. Et alors tout autour de la petite maison avec les paillettes, le papier paillettes rouge, fait ça de toute façon je vous le montrerai quand je monterai mon tuto. J'ai fait donc toute la maison tout autour, vous voyez les petites comme ça là, le papier pailleté, j'ai fait des cadres avec le papier pailleté parce qu'en fait là c'est du 15-15. Et la maison, elle fait un tout petit peu plus. Et mes papiers, donc, étaient trop petits. Donc, c'était pas très joli. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un cadre avec donc, le papier pailleté. Et puis, finalement, ça a un rendu assez sympa. Comme ça, je vais l'éteindre. Hop.
Il y a trois vitesses, elles sont super ces petites lampes là, pareil, hein, Amazon. Voilà, et je trouve ce petit papier vraiment super, super joli. Là, j'ai fait des petits nœuds à la fourchette. Et les petits cerfs là de Noël, c'est, je les ai achetés chez Dalb aussi, et c'est du Artémio. Voilà. Voilà, donc toute petite vidéo pour aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, donc cette semaine, je vais vite refaire le tuto. Comme ça, si vous avez envie de refaire cette petite maison pour Noël, pour l'offrir à quelqu'un avec des petites gourmandises dedans, vous ayez le temps de la faire. Voilà, eh bien, je vais vous laisser parce que moi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes filles. Donc, je reçois tout le monde à la maison. Et il faut que j'aille finir de préparer tout ce que j'ai à faire. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous fais de très très gros bisous. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Il y en a de plus en plus, hein. Ça me fait toujours vraiment très très plaisir. Je vous le dis à chaque fois. Mais ça vient vraiment du cœur. Je suis vraiment très très contente. Et j'espère que Véronique et Sylvie, vous avez reçu votre enveloppe. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous embrasse et à très bientôt.